Bonjour à tous, c'est un grand jour aujourd'hui pour nos quatre finalistes des Audi Talents Awards catégorie design. C'est en effet au bout de ce couloir, derrière cette porte, qu'a lieu la nouveauté des Audi Talents Awards, à savoir la confrontation directe entre les candidats et les quatre membres du jury. On se retrouve après pour les impressions à chaud de nos candidats et de notre jury. A tout à l'heure. Dans la démarche de recherche, il y a aussi de ne pas se focaliser simplement sur le design, mais de s'ouvrir un peu à différents types de domaines. Ça s'est passé comme un entretien où on essaye de mieux comprendre les attentes des deux, donc le jury et moi, et d'essayer de mieux cerner ma démarche, de quelle manière je m'inscris dans le monde du design. J'ai tenu en fait à essayer de faire un projet pour justement faire le lien entre cette formation d'ébéniste et ce métier de designer. Ça faisait plutôt en fait un peu comme, pas comme une agence, mais en fait il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, soulignées par les membres du jury, et des questions en fait dans tous les sens, et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y avait une spontanéité en fait de la part de tout le monde. Intimidant, mais sympathique. Le produit est fait, on arrive à un prix à peu près correct. Qui est le producteur? L'idée que j'avais, c'était une société que je créais. Contrairement à d'autres concours où on a souvent un financement qui ensuite n'est pas suivi ou très peu, j'avais le sentiment par les Audi Talents Awards qu'on était beaucoup plus suivi et vraiment accompagné au cours de l'année. Et du coup qu'on avait peut-être accès à des relations professionnelles auxquelles on n'aurait pas forcément accès en dehors. Ce qui m'a intéressé assez rapidement, en fait, c'est d'utiliser ces techniques, mais en changeant d'échelle, de construire une espèce de textile géant. Ils ont cherché, je pense, à voir ce qui m'intéressait vraiment dans le projet que j'ai présenté pour les Audi Talents Awards et comment je compterais m'y prendre pour le développer et pour l'amener plus loin. Ces candidats étaient de grande qualité. Une grande honnêteté intellectuelle et d'engagement sur ce métier. Pas vraiment de coup de cœur, mais en tout cas un choix qui a émergé de la part du jury, très nettement, donc c'est toujours très rassurant. C'était le dossier qui correspondait le plus à la vocation du concours Audi.